la plaine triste et humide de la Broye. À l'orée du village de Montet, l'imposante institution de Marigny. Derrière ses murs, 1500 enfants ont vécu entre 1929 et 1955, des enfants placés pour la plupart. Pendant des années, leur souffrance est restée cachée, mais beaucoup ont été battus, violés, peut-être même pire encore. Des enfants sans famille, à la merci de prêtres sans scrupules. Nous avons retrouvé 5 témoins de cette époque, tous marqués à vie. Avec leur aide et celle des historiens, nous avons fouillé le passé de l'Institut pour révéler l'horreur des abus commis derrière ses portes.